Bonjour, aujourd'hui dans Histoire de rêver Vernon et ses environs, je vais vous parler de notre chroniqueur et historien local, Michel de Decker. Qui ne connaît pas Michel de Decker? Eh bien, si vous ne le connaissez pas, nous vous invitons à le découvrir et pour certains, pourquoi pas, à le redécouvrir. Michel de Decker est un historien qui aime l'histoire et la raconte. Il réalise ainsi l'histoire de l'histoire. L'histoire vivante, celle qui fait résonance chez la plupart des êtres pourvus de curiosité. Et même si ce n'est pas le cas, eh bien cet homme est capable de vous ranimer cette dernière en moins de deux histoires. Il est né le 23 janvier d'une année 1948. C'était un vendredi. C'était la date du premier vol de l'avion de transport léger, de Havilland Australia DHA Tweed Rover. Il a débuté son histoire à Saint-Paul-sur-Mer, dans le nord de la France, commune associée à Dunkerque, dans le haut de la France en fait maintenant. Nous étions donc à un vendredi et c'était l'année où Gandhi fut assassiné. Notre Michel, appuyé d'un stylo dans sa trousse, plus d'une plume à son arc et je dirais même plus d'une touche à son computer. Cela étant dit, c'est pour faire plus moderne. En effet, il est historien, écrivain, producteur d'émissions et il a été enseignant durant plusieurs années. On ne parlera pas de secrets d'histoire ou de sous les jupons de l'histoire, ni des savoureuses chroniques sur France Bleu Normandie, bien évidemment, et de la quarantaine d'ouvrages publiés qui permettent de revivre l'histoire et qui la met à la portée de tout être intéressé par la chose sacrée de notre passé. Michel est un noble chevalier de l'histoire, et pour cause, il a été nommé chevalier des arts et des lettres sur proposition d'André Castelot, son mentor. Je sais bien que je parle d'histoire, mais j'ai bien dit mentor et non menteur. Il fut donc promu chevalier par la ministre Catherine Tasca. Il s'agissait de la promotion de juillet 2000. Michel a un parcours complet qui l'a amené à donner des conférences depuis un certain nombre d'années. Conférences qu'il continue de donner avec beaucoup de chic, beaucoup d'allure. Et il nous inspire vraiment, vraiment beaucoup d'histoires. Il vit ce qu'il raconte. Il a le chic pour trouver la petite anecdote qui fera que chacun va accrocher et se souvenir du morceau d'histoire qu'il nous conte. Oui, cet homme, c'est vraiment un conteur. Mais attention, pas un conteur d'histoire, hein, un conteur de l'histoire, s'il vous plaît.